Dans la vallée voisine, une autre famille a déjà commencé la cueillette. Mais ici, il faut faire attention à ne pas tomber sur le principal prédateur du grand arbre à thé, la phyllie, sorte d'insecte-feuille de la famille des phyllides. Pour passer inaperçu parmi les feuilles, ce parasite n'hésite pas à prendre leur forme et leur couleur. Seul un regard avisé permet de démasquer ce camouflage. Pour les jeunes filles de cette famille, il s'agit toujours de collecter soigneusement à la main les feuilles des théiers sauvages et choisir les feuilles larges les plus tendres, principal gage de qualité. Dans cette forêt tropicale, aucune machine ne pourrait opérer. Même si c'était possible, elle ne pourrait déterminer la qualité de la feuille. Seule la cueillette à la main garantit une sélection parfaite.